vous propose un Saint-Honoré légèrement revisité par sa forme, par sa texture. Contrairement à la recette originale, je réalise une pâte sablée à la vanille que je vais cuire à blanc et que je vais dorer afin de garder un maximum de croustillant à l'intérieur de la recette. Sur cette pâte sablée vanille, je viendrai déposer une crème vanille chantilly à la mascarpone. Et ensuite, mes trois choux glacés au caramel dans lequel j'aurai ajouté de la poudre d'or pour lui apporter un côté festif. L'élément clé, c'est la crème qui, elle, va apporter de l'onctuosité, beaucoup de douceur, qui va rester longuement en bouche afin d'avoir une dégustation très soyeuse.